C'est un endroit un peu caché, un écrin. On a l'impression qu'on fait un, comment dire, un hold-up. Alors on arrive dans cette petite impasse là-bas, théâtre de poche. Mais c'est un petit joyau. Un petit joyau. Voilà. Et vous savez pourquoi ça s'appelle théâtre de poche? Bah, sans doute parce qu'il n'est pas grand. Exactement. 60 places au départ. Au départ, il y en a plus. Il y en a plus aujourd'hui. Et c'est un théâtre qui a été inauguré en pleine occupation en 1943. Ça, je ne savais pas. Mais je vous arrête en plus. Non seulement il y a plus de places, mais il y a deux salles. Ils ont arrangé une espèce de lieu de spectacle qui n'est pas une vraie salle au sous-sol. Ah, c'est bien. On dirait que je suis l'attachée. Oui, c'est ça. Le tout premier spectacle, évidemment, vous n'avez pas vu, c'était Orage de Jean Vilar. Je l'ai raté, c'est bête. C'était en quelle année? Bah, 43. Ah oui, j'ai raté. Elle est idéalement située, cette salle, puisqu'en l'occurrence, on est dans ce quartier bouillonnant de Montparnasse. C'est une belle adresse pour un théâtre aussi. Ouais. C'est un lieu de passage. C'est pratique, c'est pratique. On peut venir en métro, là, je suis mis en métro. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce théâtre? Celui-là me plaît parce que, justement, c'est un lieu de créativité, c'est un lieu d'exigence, c'est pas... Et puis, quand on arrive, vous allez voir, quand on va rentrer, on a l'impression qu'on est un peu à la maison, voilà. Bonjour Marie-Christine Barrault, bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes comédienne depuis 50 ans. Vous allez nous livrer les secrets de votre longévité dans cette émission. Mais avant, l'amoureuse des planches que vous êtes a voulu nous emmener au théâtre voir The Servante. On se dirige en coulisses? On y va. The Servant, c'est d'abord un titre, celui du chef-d'œuvre cinématographique signé Joseph Losey. Comme le film, le spectacle est tiré du roman et de la pièce de Robin Maugham. I'm the servant. Un huis clos inquiétant, de l'humour noir et des complots qui se succèdent pour illustrer une troublante histoire d'inversion des rôles entre un maître et son serviteur. À la mise en scène, Thierry Harcourt. Qu'est-ce qui s'exprime sur scène? La frustration, le désir de pouvoir, la désir soumission, pouvoir. La domination, quoi d'autre? Oui, je pense que c'est aussi un désir d'identification. Je pense que cet homme qui est né dans un milieu qu'il pense être plus bas parce qu'il a été obligé de se battre pour survivre, pour vivre, aurait voulu avoir la vie de cet homme riche et aurait voulu être cet homme-là. Donc, il s'identifie tellement à lui que la seule manière d'être lui va être de le détruire et de le mettre à un niveau où il pense être. Refaites-nous votre soufflé au chocolat. Il était dernier, délicieux la dernière fois. Pour le reste, c'est vous qui voyez. Une fondue, peut-être. Très bien. Et une crème glacée à l'avocat en dessert. Comme vous voulez. Je pense qu'une crème glacée à l'avocat serait plus originale qu'un soufflé, si je puis suggérer, monsieur. Bien sûr. Vous vous êtes laissé entraîner, vous, Marie-Christine, dans la tourmente des personnages? Ah, mais moi, j'ai eu peur. Non, mais franchement, j'avais peur. J'étais, en plus, je devais être au deuxième rang. J'avais l'impression que je courais un danger physique. Vous avez déjà vécu, vous, une relation comme ça, dominé-dominant? Non. Franchement, là, vous me posez une question. Alors, d'abord, de quel côté aurais-je été? Voilà, c'est ça, la méchante. Bonne question. Il a une mauvaise influence sur Tony. Il exploite ses faiblesses. Ses faiblesses? Tony est paresseux et aime son confort. C'est le cas de tout le monde, non? Pas à ce point. On paraît être le pourri dans le confort. J'en ai même pu lui ôter ses chaussures pour lui enfiler ses pantoufles. Alors je crois que Maxime, il a l'habitude de se terrer un peu dans le noir, dans la pénombre de la salle. Il est là-bas, non? Je crois qu'il nous observe, il me semble. Oh, ils sont là. Voilà. Bonjour. Maxime Daboville, Barrett, The Servant. L'homme qui fait peur. Très bien. Mon maître. Cher. Bon, Maxime, vous avez eu un Molière pour votre interprétation de ce rôle. Qu'est-ce qui vous a plu tout de suite dans cette pièce? Comment dire, l'atmosphère décadente, mais tout ça traité avec une forme d'humour noir et l'air de ne pas y toucher. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Ça, j'ai beaucoup aimé le côté très quotidien où tout ce qui se dit est très banal. Et puis, en fait, dessous, ça boue. Voilà, c'est ça que j'ai aimé dans cette pièce. On rit, mais on rit jaune. Oui, oui, voire noir. Je ne sais pas. Non, oui. Enfin, moi, ça m'a fait rire à la lecture, personnellement. Mais c'est vrai que le personnage du Servant, c'est pas un personnage qu'on rencontre très, très souvent dans une carrière d'acteur. Je comprends qu'il n'ait pas laissé passer ça. Ouais. Jouer les méchants, c'est... Enfin, les vrais méchants, comme ça, c'est... C'est jouissif. C'est franchement vraiment ce qu'il y a de plus jouissif.
Marie-Christine Barrault, quand on se penche sur votre carrière, premier constat, vous êtes une femme très équilibrée. Une quarantaine de films, une quarantaine de pièces de théâtre, une quarantaine de rôles à la télévision. Parlez-nous un petit peu de vos débuts sur les planches. C'est très important, mes premiers pas au théâtre. Ouais. J'étais engagée, le jour de mon entrée au conservatoire, pour jouer un premier rôle au théâtre de la Commune à Aubervilliers. Et je pense que ça a été la chance de ma vie. Parce que j'ai tout de suite été dans un théâtre dit, on va dire, entre guillemets, engagé. Moi qui venais d'un milieu un peu bourgeois quand même, j'étais élevée chez les Bonnes Sœurs, dans le 16e arrondissement et tout, je me suis retrouvée à Aubervilliers. Et on allait dans les usines pour parler du spectacle, pour que les gens, les comités d'entreprise prennent des places et tout ça. J'ai été tout de suite dans cette fonction du théâtre. Ça m'a ouvert tous les horizons. Alors ensuite, vous faites la rencontre de Maurice Béjart, qui vous dirige sur les planches. Votre premier rôle au cinéma vous est offert par Éric Rohmer dans Ma nuit chez Maud. Vous entrez dès le début par les grandes portes. Est-ce que c'est déterminant pour la suite ? C'est toujours déterminant de commencer avec des génies quand même. Oui. Parce que Rohmer, c'est une forme de génie. Et avoir fait, en plus, j'ai fait son film qui est presque le plus emblématique, Ma nuit chez Maud. J'ai l'air mal réveillé. Ah oui. Pariez-vous ? Comme ça. Vous êtes plutôt du genre gay. Très. Pas vous ? Non, pas tellement. Enfin, ça dépend avec qui je suis. Avec vous, je me sens très bien. En 75, vous êtes tout en haut de l'affiche de Cousin Cousine. Deux ans plus tard, vous êtes nommé aux Oscars. Est-ce que c'est le film qui change tout ? Alors, c'est... Avec le recul... Il n'a pas changé tout, mais il m'a donné une notoriété internationale, parce que c'est vrai que le film, non seulement il a une carrière inouïe aux États-Unis avec les Oscars, certes, mais surtout, il a été dans le monde entier. Je l'ai beaucoup accompagné, et en même temps, tous les pays, de partout, il a eu du succès. Donc, c'est vrai que du jour au lendemain, quand on disait Marie-Christine Barrault, les gens ne disaient pas qui ? C'est l'actrice de Cousin Cousine. Ah oui, bien sûr, l'actrice de Cousin Cousine. C'est le début d'une carrière internationale. Vous allez être dirigé par Woody Allen, par Andrew Vajda, Manuel de Oliveira. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, le cinéma étranger ? Est-ce que ça a modifié, changé votre manière de jouer ? Oh non. Non, pas du tout. Qu'est-ce que ça vous a appris ? Ça fait partie des choses que j'aime dans ce métier, c'est-à-dire les rencontres avec d'autres manières de vivre. Par exemple, mon plus beau film, qui est « Femme entre chien et loup », qui est un film flamand. Bon, moi, j'ai tourné en français. Et autour de moi, tout le monde parlait flamand. Mais en même temps, je disais en riant, c'est au moment où on dit moteur, il n'y a plus d'étrangers. Même si on ne comprend pas la langue, on comprend tout ce que chacun fait, les techniciens, le machinot, l'électro, tout, on comprend tout. Il y a une espèce de langage international qui est le langage du cinéma sur un plateau. Ça, j'ai appris ça et je l'ai apprécié. La télévision aussi vous a offert de très beaux rôles. On se souvient notamment de votre interprétation de Marie Curie qui vous a valu le 7 d'or de la meilleure comédienne. Vous ne faites pas partie de ces comédiens, de ces acteurs qui boudent la télévision, qui la méprisent. Ah, je ne l'ai jamais boudée ni méprisée, parce que d'abord, c'est vrai qu'elle m'a offert des rôles magnifiques. Et puis, c'était l'âge d'or de la télévision. Mmh. On n'avait pas peur, en prime time, de donner une adaptation d'un roman de Musset. Il n'y avait aucune barrière. La seule barrière, c'était que ce soit de qualité. Alors, même quand vous avez enchaîné les tournages au cinéma ou à la télévision, vous n'avez jamais déserté les planches. Quelles sont les pièces qui vous ont le plus marqué ? Le jour où j'ai vu Le partage de midi de Claudel, je devais avoir 16 ou 17 ans. Et là, non seulement j'ai eu la certitude absolue que j'étais faite pour ce métier, mais j'ai eu la certitude absolue que si je ne jouais pas le rôle d'Isée dans Le partage de midi, je serais passée à côté de l'essentiel, même si je faisais mille choses à côté. Et j'ai eu la chance de le jouer, et de le jouer bien, dans une belle mise en scène, avec des bons acteurs. On l'a joué pendant plusieurs années, on a fait des tournées, on reprenait à Paris, à Toulouse, et tout ça. Donc pour moi, c'est le plus beau, Le partage du midi. Mais j'ai eu la chance aussi de jouer La cerisée de Tchekhov. J'ai joué une pièce de O'Neill absolument incroyable, qui s'appelle L'étrange intermède. Là, je suis en train de jouer ce personnage de Marguerite Yourcenar, qui m'enchante. J'ai joué Le barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, j'ai joué... Non, franchement, je trouve que j'ai joué des choses, des belles choses, et puis des choses qui m'ont nourri. Je voudrais que tu me dises la vérité ! Je n'ai pas couché avec lui, maman ! Alors, il y a eu deux hommes qui ont particulièrement compté dans votre vie. Deux hommes de cinéma que vous avez épousés. Le premier, c'est le producteur, Daniel Toscan du Plantier. Le second, c'est le réalisateur, Roger Vadim. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris ?
Alors, le premier, d'abord, quand je l'ai épousé, il n'était pas producteur de cinéma, hein, parce que je l'ai connu, j'avais 11 ans et il en avait 14. Ah, d'accord. Donc, nous étions amis d'enfance. Qu'est-ce qu'il m'a... Lui, m'a d'abord donné deux enfants magnifiques, dont je suis très, très fière, et je pense que vraiment, on les a réussis. C'était pas facile, la vie avec lui, il faut bien le dire. Je suis passée directement de l'enfance au statut de mère de famille, plus actrice en même temps, ouais. Et tout. Tout ça a été très compliqué, et lui aussi, son évolution professionnelle était tellement brillante, et tout, et un jour, on s'est quand même retrouvés pas tout à fait sur le même plan. Enfin, ça correspondait plus, vraiment. Alors, évidemment, je ne peux pas comparer. Vous avez zappé un homme avec qui j'ai vécu pendant 10 ans et qui m'a donné 10 ans de tendresse, qui était aussi un réalisateur, qui s'appelle Michel Boiron. Et puis, j'ai rencontré The man. Alors, celui-là, je ne pouvais pas le laisser passer. On ne s'est pas laissé passer mutuellement, d'ailleurs, donc Roger Vadim. Et j'en reviens encore pas de ces 12 années d'amour fou, de... C'est beau ici. Ah, c'est particulier. Hein. Dans son Paris des Arts, Marie-Christine nous emmène à la rencontre du vidéaste Laurent Fievé. Laurent, bonjour, enchanté. Ces montages, parfois réalisés à partir d'extraits de films, ont déjà été exposés dans plusieurs musées, notamment le musée Picasso à Paris. C'est lui qui signe le film projeté dans la pièce Les yeux ouverts sur la vie de Marguerite Yourcenar, le dernier projet théâtral de Marie-Christine. Et c'est le metteur en scène qui a eu l'idée d'injecter de la vidéo sur scène. Ludovic, donc, qui est à la fois le concept du spectacle, qui a fait l'adaptation du texte et la mise en scène, m'a dit un jour, alors je voudrais qu'il y ait un parallèle entre la manière dont Yourcenar parle de ses personnages et le fait qu'elle vit avec eux, le fait qu'ils sont là, le fait qu'on raconte une histoire en créant tous ces personnages. Je voudrais faire le parallèle avec ta propre vie d'actrice et tous ces personnages que tu as incarnés, en tout cas au cinéma. Pas. Quoi? C'est le dive au Giebelhauer. C'est le futur potage de légumes. Tu ne parles pas sérieux. T'as été envie de lui faire. Tu crois en Dieu? Je lui laisse le bénéfice du doute. Donc, il s'agissait là de retrouver plutôt une cohérence entre plein de films qui n'en ont pas forcément, si ce n'est la présence commune de Marie-Christine. Comment vous avez rencontré Laurent, Marie-Christine? J'ai visité le musée Picasso et puis on m'a dit il y a aussi le travail de Laurent en bas. Je pensais y rester 5 minutes et puis je suis restée tout le temps. J'étais happée, mais comme une espèce de tout d'un coup de quelque chose d'hypnotique. Oui, d'hypnotique. Quel moment de vertigo là? Alors là, c'est un moment très particulier, qui est un moment de transition du film, où le personnage interprété par Kim Novak permute vers une autre identité. Elle joue deux personnages dans le film. En fait, il s'agit de deux films qui sont divisés chacun en 14 chapitres, et chacun associe par jeu de surimpression un petit extrait du film d'Alfred Hitchcock et un détail des Ménines de Velázquez qui vient s'ajouter sur les images, sur impression et qui engage un dialogue. Marie-Christine, qu'est-ce qui vous touche dans le travail de Laurent? Qu'est-ce qui vous a plu instantanément? Un côté totalement mystérieux. Là, j'ai trouvé que cette frontière entre le cinéma et la peinture était assez fascinante. Et c'est maintenant l'heure de soumettre Marie-Christine Barrault à notre traditionnel questionnaire du Paris des Arts. Mon mariage sur le bateau mouche avec Vadim, on a fait une fête sur un vieux bateau mouche des années, je ne sais pas de quelles années, mais tout en bois. Et c'était une fête, mais magnifique. Et puis c'était Paris. La beauté de Paris, la beauté de Paris, je ne m'en lasse pas. Quand il y a un pont, il y a un pont, je ne sais pas comment il s'appelle ce pont, quand on descend la rue du Bac et qu'on traverse. Et on a tout à fait sur la droite, on a Notre-Dame et tout, puis on a la Seine avec tous les monuments et tout. Vraiment, moi je suis amoureuse de Paris, mais vraiment amoureuse de chaque pierre. J'aime bien le restaurant du Théâtre du Rond-Point,
mais qui est agréable parce qu'en plus il y a cette ambiance théâtre. Ma plus belle rencontre, c'est Vadim. C'était à Cognac. C'était à Cognac, mais enfin très très vite, ça se passait à Paris. Ouais. Moi, je prends souvent mon texte dans le bruit des cafés. Je me mets dans un coin, je marmonne mon texte. Personne comprend que c'est un texte de théâtre. Vous savez, voilà. Il y a un endroit à Paris que je trouve vraiment tragique, c'est la tour Montparnasse. Alors je me dis que peut-être si on est tout en haut de la tour Montparnasse, on ne la voit pas et on a la chance de voir Paris. Et donc c'est peut-être bien d'aller se dire son amour là-bas. Il faut demander à Inès de la Fressa. Lumière. Merci. Ainsi s'achève le Paris des Arts consacré à Marie-Christine Barrault. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite.